Le rapport entre la mairie de Koutaba et quelques exploitants des ressources de la commune se dégrade jour après jour. L'exploitation, la carrière est le cas le plus conflictuel. Que ces grands gens ne reversent rien à la commune, on ne sait même pas comment ils opèrent. Quand vous arrivez dans ces entreprises, vous n'avez même pas accès. Rendu sur le site, le responsable en charge du marketing et de la communication de l'entreprise s'en défend et accuse plutôt la mairie de mauvaise foi. Nous dépendons d'une tutelle, le ministère des Mines, une mauvaise foi de la mairie. La mairie qui devrait nous inviter à une réunion. La mairie n'a jamais convoqué la carrière. La société des provenderies du Cameroun, SPC, a aussi investi dans l'espace communal de Koutaba à l'insu du maire. Une nébuleuse entretenue par l'ancien préfet du département du Noun, dit-on. Et ce groupe a fortement fait des investissements dans notre arrondissement. J'ai dit même un franc sur le permis d'implanter, encore moins de permis de bâtir, rien. À la direction locale de l'entreprise spécialisée dans la volaille, l'agent rencontré nous rappelle qu'il n'est qu'un simple exécutant des décisions prises depuis la direction générale basée à Douala. Autant de problèmes libellés sous forme de doléances et soumis au nouveau préfet du département du Noun, Dounassien Oum, alors en tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Koutaba. Le conseil municipal va autoriser le maire à avoir un droit de regard dans ses carrières. Les citoyens ont besoin de bonnes routes, de l'eau potable, de salles de classe, entre autres charges qui incombent à la mairie. Comment peut-elle répondre à toutes ces sollicitations sans la bonne collaboration de tous les contribuables?